بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. الحمد لله فإنه لكل حمد أهل. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة إلى أن كشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، نؤمن ونشهد بذلك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى إخوانه النبيين وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى الآثار واستنى بالسنة واستمسك بالهدى إلى يوم الفصل والقضاء. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغيث قلوبنا بالإيمان كما يغيث الديار، ونسأله جل وعلا أن يشرح صدورنا ويجعلنا من المقبولين في هذا الشهر المبارك الكريم. أما بعد، أيها الإخوة في الله، j'introduirai inshallah ta'ala cette occasion, cette rencontre, par un fait que nous avons probablement vécu pour la plupart d'entre nous. Et de là, inshallah ta'ala, se lancera une certaine réflexion. Vous savez, lorsque vous observez un enfant, un nouveau-né, vous voyez cette innocence et vous êtes pris malgré vous d'une certaine rahma, une miséricorde qui vous touche. Lorsque vous voyez cet enfant, vous avez envie de le prendre dans vos bras, vous avez envie de lui offrir quelque chose, et il suffit qu'il lance un sourire pour qu'à l'intérieur vous sentez dans votre poitrine quelque chose qui se passe. Et un jour, c'est ce qui m'est arrivé personnellement, et à ce moment-là, je me suis rappelé un verset de le Coran al-Karim, où Allah subhanahu wa ta'ala nous relate un fait de société qui était à l'époque de la révélation. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيَمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. Ce verset, ayyuhal ikhwa, nous relate un fait de société qui était à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la chose suivante. Il dit, lorsque nous annoncions la bonne nouvelle d'une naissance d'une fille à l'un d'entre eux, il changeait de visage. Son visage s'assombrissait. Il était déçu. Il était écœuré, attristé de cette bonne nouvelle qu'il vient de recevoir. Regardez, subhanallah, le Coran al-Karim rappelle que c'est une bonne nouvelle. Malgré que lui, il est écœuré, il est attristé, affligé d'avoir entendu parler de cette nouvelle naissance, de cette jeune fille qui arrive. Et ensuite, le Coran al-Karim continue dans ce sens-là et il dit, subhanahu wa ta'ala, que va-t-il faire? Est-ce qu'il va le garder, garder cet enfant avec le dégoût, ou alors va-t-il l'enterrer vivant? Vous savez que ça se faisait à l'époque. Ils enterraient les jeunes filles vivantes à leur naissance. Cet enfant innocent. Et chacun d'entre nous aujourd'hui ne peut pas accepter une telle idée. Pour nous, dans notre conception contemporaine, c'est inhumain. Et ça l'est.
ولكنني أيها الإخوة lorsque vous lisez, lorsque vous revenez à l'histoire des Arabes, vous voyez qu'il y avait parmi eux les poètes. Il y avait parmi eux les gens qui géraient la société, les notables. Il y avait l'intelligentsia de l'époque. Il y avait des gens instruits. Il y avait énormément de gens dans leur société qui avaient une réflexion, qui pensaient, qui orientait les sociétés. Et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala relate ce fait pas comme étant une exception. Ce n'est pas une exception, c'est quelque chose qui était connu à l'époque. Et si un père enterrait sa fille vivante, personne ne lui faisait de réprimande, puisque c'était un fait de mœurs connu et admis par les Arabes. Comment est-ce qu'un fait qui est humainement inacceptable puisse se faire dans une norme extraordinaire, dans une norme dans laquelle il n'y a personne qui va venir remettre en cause cette pratique? Je ne veux pas m'étaler là-dessus, je veux juste puiser de là une information. Qu'il est important de comprendre, et vous allez voir, Inch'Allah ta'ala, à quoi je veux en venir. C'est que, en tant qu'être humain, nous acceptons les normes des sociétés dans lesquelles on évolue. C'est humain, ça. C'est humain. Et la norme, c'est ce que je vis. Et au final, si tout le monde le fait, ou si énormément de gens le font, ça devient quelque chose de normal qu'on ne remet plus en cause. La force qu'a les sociétés sur nos mentalités sont énormes. C'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Ayyuha al-ikhwa, nous en tant que croyants, en tant que musulmans, qui avons une croix, une foi à concrétiser dans une société qui ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne se réfère pas au Coran al-Karim, qui ne donne pas la place et qui ne reconnaît pas la place du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une société telle qui va avoir une panoplie de valeurs qui ne sont peut-être pas celles voulues et enseignées par notre système référentiel qui est l'islam. Il faut que l'on comprenne et que l'on réalise la force que peuvent avoir ces sociétés autour de nous dans notre approche à nous de le Coran al-Karim, dans notre approche à nous de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans notre approche et dans notre rapport avec la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et se dire, tiens, si les Arabes de l'époque ont pu accepter un fait tel que celui que j'ai précédemment cité, n'y aurait-il pas moi aujourd'hui dans ma vie quotidienne, dans ma relation avec Rabb al-Alamin, n'y aurait-il pas des notions et des valeurs qui sont externes à l'islam, qui sont venues s'immiscer dans ma vie? Et vous allez voir que très certainement il y en a beaucoup, qui nous faussent notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous empêchent de nous épanouir dans notre foi. J'en relèverai une principale. Si le monde dans lequel nous évoluons peut être qualifié par un aspect général, je dirais que c'est quelque chose, que c'est le mot matérialiste qui s'y apprête le plus. Nous vivons dans un monde matérialiste. Je suis ce que je vois, ce que j'entends, ce que je touche, ce que je goûte et ce que je sens. Je suis ce que je possède. Je suis ce qu'il y a dans mon compte en banque. Quelqu'un à un rang dans la société est une référence en fonction de quoi? En fonction de sa place sociale, de son rang social. Le monde matériel, ayyuha al-ikhwa, nous a emprisonnés. Nous qui avons une spiritualité à construire, une foi à vivre. Cette foi ne va pas pouvoir s'épanouir tant qu'elle est emprisonnée par ce monde matériel.
معشر الكرام، ننطلق من آية من الكتاب، من كتاب الله جل وعلا، تحكي لنا ظاهرة قرآنية عظيمة لها أسرار وحكم ينبغي للمسلم أن لا تخفى عليه. الله سبحانه وتعالى يحكي لنا أحوال العرب عند نزول الآيات، فيذكرنا تبارك وتعالى بأن هؤلاء كان من عادتهم أنهم كانوا يستبيحون قتل ودفن بناتهم، يعني في ولادتهم الأولى، في أيامهن الأولى، وكان ذلك يفعل على مسمع ومرأة من الجميع، لا يعترض أحدا، حقيقة يعيشها الجميع ولا يعترض عليها أحد. ومن العجيب الغريب أن مثل هذا الصنيع لا يقبله عقل ولا تقبله إنسانية ولا بشرية، ومع ذلك شاع في المجتمع. إن دل على شيء وهو يدل على قوة تأثير البيئة على الفكر الإنساني. البيئة تؤثر، ومن ظن أنه يعني لا يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها فقد أخطأ خطأ عظيما. البيئة تؤثر في الفكر، تؤثر في المعيار، الخير والشر، يعني يتأثر فهم المعروف والمنكر والخير والصلاح والبر والشر، يعني من خلال ما تمليه البيئة. ولذلك تجد أن العرب استباحوا هذا الصنيع البشع، فينبغي للمسلم أن يستشعر هذه المعلومة ويتساءل: أنا مسلم ينبغي أن أحقق حياة إيمانية، علاقة بيني وبين ربي، كيف سأفعل ذلك في بيئة لا تؤمن بالله جل وعلا، ولا تدين بديني، ولا توقر نبيي، ولا تعترف بمبادئي؟ هل هذه البيئة لا تؤثر فيها في علاقتي بربي؟ قطعا تؤثر في مجالات كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومنها ومن أهمها، يعني من الأمور الرئيسية، أن هذه البيئة تعيش على مبدأ المادة، بيئة مادية، تؤمن بما ترى، بما تسمع، بما تشم، وبما تلمس، وبما تذوق، بيئة لا تعترف إلا بما ترى. هل هذا المفهوم العام السائد ألم يصل إلى قلبي ويعكر علي صلتي بربي؟ قطعا نعم، ومن ظن أنه سلم من ذلك فقد أخطأ. أيها الإخوة في الله، ce monde matérialiste, ce monde de la matière va à l'encontre de deux choses. Le premier, le message divin. Et le deuxième, la nature même de l'homme. Je m'explique. Commençons par la nature même de l'homme, ce que moi je suis en tant qu'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé et il a fait de moi un être humain à l'alliage et à la rencontre de deux matières. Un corps charnel, matériel, et une âme, ruh, une âme spirituelle. Sans cela, il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de hayat, il n'y a pas de vivant. Le hayat, c'est quoi? C'est quand cette âme et ce corps se mettent ensemble.
Et lorsque vous voyez quelqu'un mourir, hein, et que cette âme vient de quitter le corps, vous pouvez voir que le corps est toujours là. La tête est là, les yeux, le nez, la bouche, le cœur est là, les poumons, les intestins, les jambes, les pieds, les doigts, les empreintes, tout est là. Mais ça ne fonctionne plus. Le corps matériel est là, mais ça ne fonctionne plus, il n'y a plus de vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a une partie qui a quitté. Ruh, lorsqu'elle rencontre le corps, c'est la vie. Lorsqu'elle le quitte, c'est la mort. Vous comprenez ça ? Si je vis, si j'essaye de vivre, de concrétiser une vie matérielle, je tue une partie de moi. Je me considère comme ce corps qui est mort. Si j'essaye de vivre, de m'épanouir, en ne tenant compte que de mon aspect matériel, je me condamne à mort. Le prophète A.S.A.W. ne dit-il pas « مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ اللَّهِ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ اللَّهِ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ » Celui qui évoque et invoque Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui n'évoque pas et qui n'invoque pas, la différence entre les deux est-elle la différence entre le vivant et le mort ? Regardez cet aspect ici, faites ce lien. Quelqu'un qui essaye de vivre et de réduire ce qu'il est à un corps matériel et qui cherche à se satisfaire qu'à travers ce corps matériel, se condamne à mort. Les textes sont clairs dans ce sens-là. Nous avons dans le texte deux morts. Une mort concrète, matérielle, celle que j'évoquais lorsque l'âme quitte le corps. Et puis il y a une autre mort. Si vous voyez quelqu'un qui bouge, qui parle, qui rit, qui pleure peut-être, mais il est mort. مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ اللَّهِ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ اللَّهِ كَمَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ Les demeures dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas évoqué sont des cimetières. Et les mosquées, les lieux de vie, sont les endroits où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, où on parle de lui. Vous comprenez cette nuance ? Ayyuha al-ikhwa, nous sommes faits d'un corps et d'une âme. Essayer de vivre qu'à travers le corps, c'est pas possible. Il va falloir, pour concrétiser la vie, l'hayat, nourrir cette âme. Et ici, le Coran al-Karim, la révélation, elle va dans ce sens-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous a insufflé la vie, nous a donné l'opportunité de nous épanouir dans cette vie, dans notre vie matérielle, mais également il nous a rappelé l'essentiel. Il nous a invité à aller vers lui, à nourrir une spiritualité, tout comme nous avons à nourrir un corps matériel. Ma'ashara al-kiram, هذه الحياة المادية التي تطرى وتطغى على حياتنا الإيمانية وتمنعنا من تحقيق المعاني الإيمانية ينبغي أن نفهمها وأن ندرك تماما أنها تعترض مع ماذا؟ مع حقيقة الحياة مع بشرية الإنسان وتعترض أيضا مع الوحي الإلهي مع آيات الكتاب ومع هدي النبي عليه الصلاة والسلام أما تعارضها مع بشرية الإنسان فإنه يدرك بمعرفة أن الله جل وعلا خلق هذا الإنسان من جسد من طين ونفخ فيه من روحه فالإنسان مكون من هذه الأمور من جسد مادي ومن روح معنوي روحي ومن أراد أن يحيا بجسده فقط فقد حكم على نفسه بالفناء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا ويعلمنا أن الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت
Chers frères, ayouha l'ikhwa, nous sommes en train de vivre Shahr Ramadan. Et Shahr Ramadan vient s'inscrire dans ce que j'ai évoqué juste ici. Shahr Ramadan, méditez, comment est-ce que ce mois-ci est venu affaiblir mon corps charnel? Il est venu l'affaiblir. Mais l'objectif, ce n'est pas d'avoir faim et d'avoir soif durant le mois de Ramadan. L'objectif, c'est d'affaiblir ce corps pour pouvoir nourrir cette âme. Pour pouvoir concrétiser le hayat al-imaniya, qui est l'objectif premier. Donc regardez comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de nous éloigner de choses qui ne sont pas haram uniquement. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de manger et de boire. Alors que manger et boire, ce n'est pas de l'ordre du haram, c'est de l'ordre du vital. En tant qu'être humain, si on ne mange pas, si on ne boit pas, on meurt. Voilà qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit ce qui est vital. Taban, il est codifié parce que l'objectif, ce n'est pas de nous amener à la mort, bien sûr. Il est codifié. Walakin, on voit que ce qui est vital est repoussé. Ce qui est vital pour mon corps matériel. Pour quelle raison? Pour que je puisse m'abreuver, nourrir mon spirituel, l'autre vital. Ma relation avec Rabbul Alamin doit naître, je dois me donner une force. Je dois essayer de me poser ces questions durant le mois de Ramadan en me disant, tiens, si j'ai faim, c'est quoi l'objectif de cette faim? Est-ce que c'est avoir faim pour avoir faim? Là. Celui qui vit son mois de Ramadan à travers son corps uniquement, qui aborde comme ça un acte adoratoire tel que Siyam, à travers un esprit qui est confiné, qui est emprisonné par ce monde matériel dans lequel nous sommes nés, nous avons grandi, qui nous influence, celui-là va avoir très dur durant le mois de Ramadan. Alhamdulillah, il n'est jamais perdant parce qu'il interagit avec Rabbul Alamin. Il ne peut y avoir que du khair fait Ramadan. Walakin, il risque de ne pas profiter de Shahr al-Siyam. Parce qu'il y a autre chose dans Shahr al-Siyam. C'est un moment durant lequel on va aller nourrir l'âme. Ruh. On va essayer de l'abreuver. Parce qu'en réalité, cette âme, c'est elle qui est le moteur de nos vies. Ou en tout cas qui devrait être le moteur de nos vies. Et c'est cette âme qui se doit de dompter ce corps, hein, et de le diriger vers ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Si je nourris ce corps, je lui donne de ce bas monde, ce corps est matériel, il est khuliqa min tin, donc il se nourrit de tout ce qui est sur la terre. Si je le nourris, je le nourris, et je laisse cette âme assoiffée, affamée, ce corps va prendre le dessus sur mon âme. Et lorsque le corps prend le dessus sur l'âme, yuhal ikhwa, c'est le début de la fin. Parce qu'il devient quelqu'un qui n'a plus de self-control. Il devient quelqu'un qui ne sait plus se retenir face au péché. Il devient quelqu'un qui ne sait plus observer la droiture. Il devient quelqu'un qui n'arrive pas à aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il te dit, j'ai envie d'être droit. Je sais que c'est le chemin qui mène à la réussite. Je sais que je vais mourir. Je sais que je vais aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et je sais qu'il y a enfer et paradis. Mais subhanallah, j'y arrive pas. Tu sais pourquoi on n'y arrive pas? Parce que ce corps est trop fort. Et cette âme est affamée. Elle est en train de mourir dans ce corps. Ce corps devient pour cette âme un cimetière. Durant le mois de Ramadan, nous avons l'occasion d'inverser le processus. D'affamer ce corps pour pouvoir nourrir cette âme qui va pouvoir nous donner la force justement de nous contrôler. Et à ce moment-là, essayer d'arriver
à concrétiser vraiment l'iman. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Peut-être allez-vous atteindre les degrés de la piété à travers le siyam. C'est l'objectif, c'est la finalité de siyam. Comment? De la manière dont je vous ai expliqué. En m'abreuvant de siyam, en nourrissant cette spiritualité, cette âme qui va me permettre de prendre le dessus sur mon corps et de pouvoir être plus fort que lui, hein, et l'orienter. Concrétiser un self-control. Concrétiser une relation avec Rabbel Alamin et arriver à être un croyant tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala me demande d'être. Parce qu'il ne suffit pas de savoir le chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Encore faut-il s'y tenir. Allah Azza wa Jal ne dit-il pas à son prophète alayhi salam, fastaqim kama umirt? Observe la droiture telle qu'il t'a été demandé de le faire. Pour pouvoir arriver à cela, il va falloir que je vive et que j'ai une âme. Je vais devoir la nourrir, cette âme. Et il va falloir impérativement que cette âme soit assez forte pour faire face aux demandes de ce corps, pour qu'elle puisse le contrôler. Durant le mois de Siyam, c'est ça que je vais aller chercher, ayyuha al-ikhwa. Et l'âme, tu ne peux pas la nourrir de ce qui est mondain. Parce qu'elle n'a pas été créée comme le corps de Tin. Et vous voyez que l'être humain a tendance à essayer de trouver la quiétude, le bonheur. Mais comme il est dans un monde matériel, selon des règles matérielles, il pense qu'en possédant, il va trouver la quiétude. Demandez au monde des stars, est-ce que c'est vrai? C'est eux qui représentent le mieux le monde matériel. C'est eux qui ont beaucoup de richesses, la notoriété, etc., etc. Mais vous savez comme moi que le monde des stars, c'est un monde truffé de mensonges. C'est un monde qui rime avec la drogue, avec le suicide, avec l'alcool. Pourquoi est-ce que ces gens vont à ces choses-là? Parce qu'au final, ils pensent qu'ils vont trouver la quiétude, le bonheur en cherchant le monde matériel dans lequel ils sont emprisonnés. Et lorsqu'ils ont un peu tout, ils voient qu'ils restent assoiffés. Parce qu'ils n'ont pas compris que tu ne peux pas nourrir cette âme avec ce qui est matériel. Et ils essayent de trouver cette quiétude de l'âme en lui donnant ce qui est matériel. Parce que c'est leur seul système référentiel. Et on n'arrive nulle part. Et lorsqu'on a tout, on finit par voir qu'on n'a rien. Celui qui n'a pas encore va continuer dans cette quête du monde matériel, peut-être jusqu'à ce qu'il meure, wal'iyadu billah. Mais il pense qu'il va y arriver. Il dit, si j'obtiens, si je possède, je vais trouver cette quiétude que je recherche. Celui qui l'a, et Allah subhanahu wa ta'ala nous fait voir ce monde, voilà les personnes à qui j'ai donné dunya. Regardez, est-ce qu'elles sont heureuses? Est-ce que la quiétude, ils l'ont? C'est un monde de mensonges. C'est un monde de maquillage. C'est un monde de faux. Dès que vous passez la porte, vous voyez que c'est des gens qui sont déprimés, qui se vautrent dans l'alcool et dans la drogue, qui n'ont pas de vie de famille. Peut-être que certaines stars n'ont jamais entendu le mot « maman » ou « papa ». Pas le temps. Si jamais ils ont des enfants à gauche et à droite, pas de vie de famille, des vies coupées, divisées, quel bonheur, ayyou alayhi. N'y a-t-il pas en cela des signes pour ceux qui méditent? Voilà. Ayyou al-Ikhwa, durant le mois de Ramadan, j'ai l'occasion d'aller chercher cette quiétude. Et il ne faut pas, en tant que croyant, que je me trompe de système référentiel. Et que je me fasse prendre par cette masse, par cette vague du mondain, qui va me faire croire que je vais trouver la quiétude et le bonheur dans ce monde-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas humain, ce n'est pas vivant. Puisque je ne suis pas constitué d'un corps charnel uniquement. J'ai besoin d'aller nourrir une autre partie de moi. Et ça, je la trouve où, ayyuha al-ikhwa? Je ne la trouve pas dans ce qui est matériel. Je la trouve dans quoi? Je la trouve dans le Coran et le Kérim. Je la trouve dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
Je la trouve au moment où je me prosterne devant mon Créateur subhanahu wa ta'ala, et justement les moments de prière, les moments où je sors du bas monde. 5 fois par jour je lui dis stop. Je n'ai pas été créé pour ça. J'ai d'autres raisons de vivre. J'ai besoin de ce monde matériel, ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas non plus qu'il faut faire abstraction du monde matériel. C'est une erreur. C'est une erreur de penser à quitter le bas monde, à être ascète de manière à ne plus répondre aux besoins de mon corps. Vous savez, c'est action-réaction, on passe d'une extrême à l'autre. Je me vautre dans un monde mondain et je me rends compte que ça ne marche pas, je passe de l'autre côté où je vais uniquement me plonger dans quelque chose qui est spirituel et je vais délaisser le mondain. Là, Sharia al-Islamia ne va pas dans ce sens-là. Et ceux dans Sharia al-Islamia qui ont essayé d'aller dans ce sens-là, en général, ont perdu le cap. Et on voit que le Nabi alayhi salatu wassalam, lorsque certains compagnons sont venus dire « Je vais jeûner tous les jours, je vais ne pas me marier, je vais arrêter de manger des choses qui sont succulentes et délicieuses, je ne mangerai plus de viande, etc. » Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il dit là, sachez que je suis celui qui connaît le plus mon Créateur subhanahu wa ta'ala. Sachez que je suis celui qui le craint le plus et celui qui est le plus proche de lui subhanahu wa ta'ala. Mais je mange et je jeûne, j'alterne. J'épouse les femmes. Je mange la viande, etc. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكتف. Il aimait manger de l'épaule. كان يحب الشواء. Il aimait manger les mechoui. Donc, ce juste milieu. Pourquoi? Parce que de toute façon, ce n'est pas possible, ce n'est pas gérable. Ce n'est pas gérable. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas dans le Coran al-Karim en parlant de Nasara ou Rahbaniya? Ibtada'ouha. Yani, lorsqu'ils ont essayé de vivre ce monde d'ascétisme, فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَيَتِهَا. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Ils n'ont pas pu gérer. مَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَيَتِهَا. Je ne peux pas dire je ne vais pas me marier. Et lisez les dégâts que ça a fait. Lisez la presse. Lisez la presse. Il y a un corps qui a une demande. On ne peut pas le priver à 100%. Il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre. Sharia est une sharia qui nous provient de celui qui nous a créés. Celui qui nous a créés d'un corps et d'une âme. Il nous a donné une sharia qui répond à la demande du corps et de l'âme. Voilà qu'il a donné un sens. Je ne peux pas laisser mourir mon âme dans ce corps et je ne peux pas essayer de nourrir cette âme sans le besoin du corps. Il faut les deux, mais Allah subhanahu wa ta'ala a donné un sens. D'abord l'âme, parce que c'est elle qui dirige. Si l'âme ne dirige plus, c'est la perdition. C'est le hawa qui va primer. C'est shahwa qui va primer. C'est le monde de passion et de pulsion qui va régner. Et regardez autour de vous aujourd'hui. Regardez autour de vous aujourd'hui, ayyuhal ikhwa. L'être humain n'a plus aucun self-control. C'est devenu un consommateur qui ne sait même plus pourquoi est-ce qu'il achète. Il achète et il pense qu'il a besoin, il achète des choses qu'il croit être vitales, alors qu'au final, il va l'utiliser une fois ou deux et puis il va oublier qu'il l'a acheté. Au moment de l'achat, il n'a plus aucun self-control. Ça devient quelqu'un yani, à qui on... Vous savez, dans le marketing, la publicité est basée sur des étapes. On leur apprend à créer le désir. Et ensuite, la première étape, ils créent le désir. Et ce désir, ils vont essayer de le transformer en besoin, te faire croire que c'est un besoin pour te pousser à la consommation, etc., etc. Et quand on n'a plus de self-control, quand on n'a plus une âme qui dirige, eh bien au final, vous savez ce qu'on devient? On devient
يعني tel un robot télécommandé. Et c'est dangereux, ayyuhal ikhwa. C'est dangereux dans les sociétés dans lesquelles on évolue de voir des gens qui pensent être libres alors qu'ils sont complètement esclaves. Qu'ils sont esclaves dans leur manière de penser, de réfléchir, dans leur désir. Ils pensent qu'il a eu envie. On t'a fait croire que tu penses avoir eu envie. Il y a des gens qui ont étudié derrière. Il y a des sommes colossales qui ont été dépensées pour arriver à te faire croire que ce sentiment te vient de l'intérieur. C'est encore plus vicieux. Parce qu'on te fait croire que c'est toi qui as eu envie de le faire. On te l'impose. Mais de tellement loin et de manière aussi professionnelle que tu penses que cela émane de toi. Comment va-t-on concrétiser une foi avec Rabbil Alamin dans laquelle, yani, je vais venir me priver du péché, m'éloigner du péché, observer les prières. Je vais devoir accomplir ces choses-là. Wallahi ayyuhal ikhwa, si je ne maîtrise pas mon âme, je n'y arriverai jamais. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il a créé. Il lui donne une révélation et il lui donne les moyens de concrétiser cette foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire et il nous dit comment le faire. Mais encore faut-il comprendre ce qu'Allah azza wa jalla veut et comment est-ce que les choses fonctionnent. As-siyam ayyuhal ikhwa, c'est la nourriture de l'âme. Le problème c'est quand notre âme est quasiment absente toute l'année, au moment de siyam, ce corps prend encore une fois le dessus et au final on attend juste al-maghrib, on veut l'adhan. Et de notre journée, min tulou' al-fajri ila ghurubiha. Et parfois on reçoit des questions comme ça. Si je dors pendant toute la journée, est-ce que mon jeûne est valable? Est-ce que c'est ça qu'Allah Azza wa Jalla attend de nous, ayyuha al-ikhwa? Le jeûne, c'est dhikrun lillahi azza wa jalla. Le jeûne, c'est ce qui nous rappelle la vie future. Le jeûne, ayyuha al-ikhwa, c'est ce qui nous rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous observe. Ce sentiment de muraqaba. Pourquoi est-ce que lorsque tu es tout seul dans une pièce, tu ne manges pas? Pourquoi? Parce que durant siyam, Allah subhanahu wa ta'ala te rappelle sa proximité, qu'il t'observe, qu'il est là et qu'il te regarde, qu'il est au plus proche de toi. Et tu le sais. Et c'est pour ça que tu te prives. Yani, se rendre compte de cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il nous observe, réaliser cela, c'est important. Parce que c'est ce qui va me donner la force de l'âme. Et ensuite, lorsque je suis quelqu'un qui sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'observe, j'ai la force après, même dans ma vie, face au péché, tout le temps. Puisque celui qui m'observait pendant Ramadan, il m'observe encore aujourd'hui, il m'observera encore demain, etc. Ramadan, ayyuhal ikhwa, il y a dans Ramadan une école, une université de valeurs. Une université de valeurs. Ramadan va venir laver les turpitudes et les glissades de cette langue. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne dit-il pas « Man lam yada' qawla az-zur wal 'amalu bihi falaysa lillahi hajatan an yada' ta'amahu wa sharabahu » Celui d'entre vous qui ne délaisse pas les mauvais propos et la turpitude, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de son jeûne, ni de sa soif, ni de sa faim. Une bouche qui passe sa journée dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la lecture du Coran al-Karim, dans l'évocation, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala durant le mois de Ramadan, c'est une bouche qui est vivante, qui profite du mois de Ramadan, qui allège et qui fait vivre sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la bouche qui ne profite pas de siyam va continuer durant le mois de Ramadan de calomnier, de faire la médisance,
de parler en mal. Vous savez que Nabi, alayhi salatu wa salam, un jour il rentre chez lui à la maison et il vient de chez Safiya, son épouse, radiyallahu ta'ala anha. Et il rentre chez Aïcha. Et Aïcha lui dit, Hasbuka min Safiyata kada wa kada. C'est comme ça que c'est rapporté dans le hadith. Yani, Aïcha, en tant qu'épouse, est prise par un moment de jalousie. Et elle fait signe au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à Safiya, yani, en disant d'elle, ceci et cela. Comme ça, c'est rapporté dans le hadith. Parmi les gens qui ont expliqué le hadith, ils ont dit qu'elle a fait allusion à sa taille. Parce que Safiya était assez petite de taille. Et elle a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Hasbuka min Safiyata, kada wa kada. Elle a fait allusion à cela. En tant qu'épouse jalouse. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Il lui a dit, Laqad qulti kalimatan. لو مزجت بماء البحر لمزجته. Tu viens de prononcer un mot. Si ce mot-là était mis dans les mers et les océans, était plongé dans les mers et les océans, elle aurait rendu les océans impurs. Vous savez que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le fiqh, dans le droit, il nous a enseigné que l'eau, quand elle est en grande quantité, elle ne devient pas impure. Même si il y a quelques gouttes d'impureté ou quelques traces d'impureté qui y sont jetées. Étant donné son énorme masse, les grandes masses, yani l'eau qui n'est pas alternée par de l'impureté, elle reste pure. On peut faire l'eau d'eau avec, etc. Ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que ce mot-là, s'il avait une forme matérielle et qu'il était plongé dans la mer, il est tellement pourri, tellement impur, qu'il est capable à lui tout seul de rendre les océans impurs. Elle a dit quoi? Elle a dit que sa fille a été petite. Elle dit une réalité. Sa fille, elle n'était pas grande, elle était petite. Elle n'a pas menti sur sa fille. Mais elle a parlé d'elle en mal. Même si c'est vrai, elle a dit une chose que Safiya n'aime pas, qu'on dise d'elle, en son absence. On appelle ça quoi? El rib. Regardez cette parole et réfléchissez sur ce que notre bouche, notre propre langue, yani, dit à longueur de journée. Regardez comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se met en colère. Regardez la gravité de ces mots-là qui peuvent nous paraître à nous yani, banal, c'est pas grand-chose. Eh bien, ce n'est pas banal aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le croyant, il a une hurma, il est sacré, n'a pas le droit d'outrepasser les droits de nos frères et de nos sœurs. Celui qui a une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui vit une relation avec son créateur subhanahu wa ta'ala, on n'a pas accès. Et là, regardez comment ce Shahr Ramadan vient nous rappeler ses valeurs. La bouche est yuhal ikhwa. Le mois de Ramadan est une école pour apprendre à maîtriser ce que cette langue prononce. Et le droit qu'ont nos frères et nos sœurs sur nous. La place qu'ils occupent. Shahr Ramadan, c'est le shahr de l'ukhuwa. C'est le shahr de la fraternité. النبي عليه الصلاة والسلام ne dit-il pas الصيام يوم يصوم الناس. الصيام c'est le jour où les gens font le jeûne ensemble. والفطر يوم يفطرون. الأخوة
le droit que nous avons les uns envers les autres. Le Nabi Al-Sallam, dans un hadith Qudusi, dans un hadith où il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges tous les lundis et jeudis. Tous les lundis et jeudis. Pendant Ramadan ou pas pendant Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala demande à ses anges d'effacer les péchés des croyants. Ceux qui vivent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Illa, exception faite pour ces deux-là. Ces deux-là, vous les mettez en quarantaine. Vous les laissez en quarantaine. » Donc, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala descend tous les lundis et jeudis, sauf pour deux catégories de personnes. Leur situation est en quarantaine. C'est qui ces deux catégories de personnes? C'est deux personnes qui sont en dispute. Quand un vient, l'autre y part. Quand l'un est sur un trottoir, l'autre y traverse. Lorsqu'ils sont proches l'un des autres, ils se tournent le dos. Ils coupent l'ukhuwa fillah. Ces deux-là, Allah subhanahu wa ta'ala demande aux anges, il dit mettez-les en quarantaine. La miséricorde, faites-la descendre sur les croyants. Amma ces deux-là, en quarantaine. Hatta yastaliha. Jusqu'à ce qu'ils se réconcilie. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être une communauté soudée. Nous demande de concrétiser l'ukhuwa. Et pour concrétiser l'ukhuwa, il nous donne les moyens. Lan tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Wa lan tu'minu hatta tahabbu. أَفَأَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَبَّبْتُمْ أَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. Le Nabi Al-Salam dit, vous n'entrerez au paradis que lorsque vous allez croire. Et vous ne croirez que lorsque vous allez vous entraîner. Voulez-vous un conseil qui va vous permettre de concrétiser cet amour entre vous? Divulguez salam. Aujourd'hui, tu passes, tu lui dis salam alaikum. S'il te répond à demi-mot, et à la rigueur, il passe sans te donner salam, on a l'impression que c'est mieux. Et peut-être que certains adorent Allah subhanahu wa ta'ala en te donnant pas salam. Ils pensent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en te donnant pas salam. Allahu akbar. Ayu dinin hada. Où sont les croyants, ceux qui comprennent ces versets, ces hadiths? Nabi Al-Sallam dit, vous ne rentrerez au paradis jusqu'à ce que vous allez vous aimer. Ne voulez-vous pas que je vous donne un conseil qui va vous permettre de concrétiser cet amour entre vous? Cet amour qui va être la cause de l'iman, qui va concrétiser l'iman. Cet amour qui va vous permettre d'avoir l'iman qui vous permet lui-même d'entrer au paradis. Afshu salam. Ya Ikhwan. On vit dans des sociétés où il est difficile de concrétiser l'iman. Lorsque je rencontre mon frère, il me rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Il me dit salam alaykoum. Il me fait un sourire de le voir. Peut-être il va me faire un dua. Peut-être en se donnant la main, lorsque les mains se séparent, les péchés tombent en même temps, comme dans le hadith. Ce frère que j'ai besoin d'avoir à côté de moi, fassaf. Comment je vais concrétiser un rang si je n'ai pas mon frère à côté de moi? Cette roue qui m'est profitable, je la coupe comme ça délibérément. Vous savez que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit pour les safouf de Salah, il dit « Man qata'a saffan, qata'ahu Allah. Wa man wasala saffan, wasalahu Allah. » Les safouf de Salah. Celui d'entre nous qui coupe le saf de Salah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Qata'ahu Allah, qu'Allah le coupe. » Wa man wasala saffan, et celui qui fait que les soufoufs se rencontrent, puisse Allah Azzajal le lier à lui. Que dire de celui qui coupe l'umma? Il coupe les liens de toute une communauté. Shahru Ramadan, c'est Shahru l'Ukhuwa. C'est le mois qui doit nous permettre. Et surtout, ayyuha al-ikhwa, nous on nage à contre-courant.
si on ne s'épaule pas les uns les autres, si on ne cède pas les uns les autres, si on n'a pas de roue les uns les autres, si on ne s'aime pas entre nous, comment va-t-on s'en sortir, Ayyuhal-Ikhwa? Comment va-t-on s'en sortir? C'est pas possible, c'est pas faisable. Shahru Ramadan, Ayyuhal-Ikhwa, c'est un mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre pour justement effacer les péchés d'une vie, pour repactiser avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nous sommes encore vivants. Un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam monte sur le minbar, il gravite la première marche et il dit Amin. Il gravite la deuxième et il dit Amin. Il gravite la troisième et il dit Amin. Et il se retourne. Sahaba regarde. Amin, Amin, Amin. Nabi sallallahu alayhi wa sallam voit l'interrogation sur le visage de ses compagnons et il leur dit Atani Jibril. Jibril m'est parvenu. Et il m'a dit, écoutez, Ayyuhal Ikhwa, écoutez, il m'a dit, Ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, celui de ta communauté, man adraka walidayhi, ou ahaduhuma, ou ahadahuma, walam yughfar lah, ab'adahu Allah, qul amin, faqultu amin. Jibril est parvenu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, celui de ta communauté qui a eu l'occasion, l'honneur de vivre auprès de ses parents ou l'un des deux et à qui le pardon n'a pas été octroyé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'éloigne. Et Jibril dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis Amin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Amin. Et ça, c'est ce que les sahaba ont entendu. Ayyuha al-Ikhwa, c'est qui fait le dua? C'est Jibril. Amin ou Sama, le garant du message céleste des cieux, fait dua. Un des plus proches et des plus énormes, des plus immenses anges d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui à qui on a confié la mission de la révélation, fait dua, invoque. Et qui dit Amin? Amin ou l'ard, le meilleur des hommes sur terre. Regardez qui fait dua et qui dit Amin. Celui d'entre vous qui a eu l'honneur de vivre auprès de ses parents ou un des deux et à qui le pardon n'a pas été accordé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'éloigne. Celui-là, c'est quelqu'un qui ne veut pas rentrer au paradis. Celui-là, c'est quelqu'un qui ne veut pas retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les parents, ayyuhal ikhwa, où tu serais sans eux? La femme qui t'a porté dans son ventre, douleur après douleur, hamalathu kurha, وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا. Cette femme qui a passé des nuits blanches, cette femme qui t'a changé, ce père qui a travaillé jour et nuit pour que tu puisses te nourrir, pour que tu puisses devenir un homme. Comment peux-tu oublier cela? Et maintenant que tu es en force de l'âge et que eux se sont un petit peu affaiblis, que normalement tu dois yani, t'occuper d'eux comme ils se sont occupés de toi. Tu te considères comme étant grand et tu délaisses. Les vieux, ils les appellent. Allahu Akbar. Les vieux. Celui qui ne rentre pas au paradis alors que ses parents sont là, abadahu Allah. Jibril dit, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Amin. Il gravite la deuxième marche et il dit, Jibril, Ya Muhammad, celui de ta communauté qui a vécu durant le mois de Ramadan et qui n'a pas reçu le pardon de son créateur subhanahu wa ta'ala, ab'adahu Allah, qu'Allah l'éloigne. Dis Amin, faqultu Amin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Amin. Celui qui vit shahr al-maghfira, shahr al-rahma, les anges sont enchaînés.
Les portes du paradis sont ouvertes. Les portes de l'enfer sont fermées. Et tu ne rentres pas au paradis. Celui-là, il ne veut pas aller au paradis. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, vous allez tous entrer au paradis, sauf celui qui ne veut pas. Celui qui ne veut pas, wa'ada. Shahr Ramadan, le mois de la miséricorde, du pardon, de l'maghfira. Et l'insan, il est toujours dans son monde d'insouciance. Il ne rentre pas à la mosquée, il ne connaît pas le dhikr, peut-être qu'il ne gêne pas. Celui-là, il ne veut pas retourner vers son créateur, subhanahu wa ta'ala. Fa'abadahu Allah. Allah n'a pas besoin de lui. Et Jibril ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire Amin. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Amin. Il gravite la troisième marche alayhi salatu wa sallam. Et Jibril lui dit Man dhukirta indahu wa lam yusalli alayk ab'adahu Allah. Qul Amin fa qultu Amin sallallahu alayhi wa sallam. Celui de ta communauté qui entend ton nom être évoqué, le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam, qui n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala pour son prophète, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'éloigne. Dis Amin, faqultu Amin. Le prophète alayhi salatu wassalam, ayyuhal ikhwa, celui qu'on a chassé, persécuté, qu'on a essayé d'assassiner, celui qui a été, yani, qui a subi l'embargo de Quraysh, celui qui a vu, yani, ses proches mourir à ses pieds, etc., etc. Celui qui a donné une vie, il a donné sa vie pour que vous et moi aujourd'hui puissions dire la ilaha illallah, pour que vous et moi puissions avoir reçu le message, yani, qui nous mène au paradis, la clé du paradis. Celui qui ne s'est pas contenté de cela. Vous savez que l'anbiya, ils ont tous droit à un dua particulier qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur exauce sans aucun doute. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a gardé sa dua pour le jour de la rétribution. Et vous savez pour qui il l'a gardé, alayhi sallallahu alayhi wa sallam ? Pour vous et moi. Ummati, ummati. Ummati, ummati. Ya Rabbi, ummati. C'était ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam connaissait. Ar-Rahma. Ummati, ummati. Il a gardé sa dua pour vous et moi. Il a donné une vie pour vous et moi. Et il a gardé la vie future pour vous et moi. Man dhukirta indahu wa lam yusalli alayk ab'adahu Allah. Qul amin fa qultu amin. Sallallahu alayhi wa sallam. Ayyuhal ikhwa, profitons de Shahr Ramadan. Essayons de ne pas subir la force d'attraction, la force de gravité du mondain. Essayons d'aller chercher, hein, d'aller chercher la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nourrir cette âme. Et essayons de vivre Ramadan, dans ma relation intime avec Rabbil Alamin, de vivre Ramadan avec ma communauté. Vous savez que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était généreux. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجود ما يكون وأجود ما يكون في رمضان كان جوادا عليه الصلاة والسلام. Il donnait. Lorsque l'Arabi vient auprès du prophète صلى الله عليه وسلم et le Nabi صلى الله عليه وسلم lui donne, il retourne vers son قوم et il dit والله je suis venu يعني de quelqu'un qui donne et qui n'a pas peur de donner. Ah, شهر رمضان أيها الإخوة c'est شهر الأخوة, c'est le شهر où on a envie de donner, de partager. Partager avec cette communauté. Et yuhal ikhwa, un sourire. Un sourire, et yuhal ikhwa, les visages sont crispés, wallah. Un sourire. Une bonne parole, une dua. Celui, alhamdulillah, qui connaît, veuve, orphelin, des gens qui n'arrivent pas à boucler la fin du mois. Shahr Ramadan, rappelez-vous ces gens. Et yuhal ikhwa, Buyutullah Azza wa Jal. Alhamdulillah, votre projet. Ça, c'est l'investissement, ça. Ça, c'est l'investissement ici-bas et dans l'au-delà. Ça, c'est des générations et des générations futures qui arrivent et qui attendent et qui ont un droit sur nous. Alhamdulillah, nous avons reçu l'islam. Vous savez, jusqu'à nos jours, subhanallah, c'est quelque chose qui m'impressionne toujours. Le nom de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous est parvenu. On sait comment elle s'appelait, la chamelle.
Que dire de la manière dont il priait, dont il jeûnait, dont il faisait zakat? Que dire des choses yani, qui sont essentielles et qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala? Rien n'est omis. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont compris la responsabilité qu'ils avaient par rapport à leur foi. Ils ont consommé et ils ont produit. Ils ont été des traits d'union entre des générations et des générations. Dans les livres, tout est repris, jusqu'au moindre détail. Le jour où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, le jour où il s'est couché. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était un homme qui n'avait pas de vie privée. On sait comment il se lavait après les rapports. On sait comment est-ce qu'il rentrait aux toilettes et il sortait des toilettes. Jusqu'au moindre détail, rien n'est omis. Parce qu'il y a des générations qui ont compris et qui nous ont transmis jusqu'au moindre détail. Nous avons reçu. Il est de notre devoir de déléguer. Les enfants de nos enfants, les enfants des enfants, des enfants de nos enfants, nous avons une responsabilité par rapport à eux. Au niveau de l'enseignement, au niveau des infrastructures, au niveau des projets. Nous sommes responsables, ayyuhal ikhwa, d'une communauté. Shahru Ramadan nous rappelle cela. Essayons de profiter de ces valeurs et de ne pas se contenter de vivre Ramadan avec la faim et la soif. Ala ayyatihal, je pense avoir pris beaucoup de temps. Je m'excuse pour les arabophones parce que j'ai dû un petit peu diminuer pour pouvoir développer quelques petits paramètres qui me semblaient être intéressants. Et, yani, khitaman, as'alullah azza wa jal bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yashraha sudurana wa an yamla'aha bin nur wal-qur'an wal-birr wal-ihsan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا الله بما علمتنا اللهم تقبلنا في هذا الشهر المبارك الكريم اللهم اجعلنا من المقبولين عندك اللهم اجعلنا من المقبولين عندك اللهم اجعلنا من المقبولين عندك اللهم أصلح قلوبنا واشرحها واملأها بالنور والقرآن اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إننا مذنبين اللهم إننا مخطئين ولكن لسنا متكبرين ولا معرضين بل مستغفرين تائبين فاغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا رب ارحمهما كما ربونا صغارا رب ارحمهما كما ربونا صغارا رب ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك لهذه الأمة نصرا وتمكينا اللهم إن لنا إخواننا مستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم كن لهم خير نصيرا اللهم كن لهم خير نصير اللهم كن لهم نصيرا ومؤيدا ومعززا وظهيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وَأَنَّ